Gentleman, c'est Zach Mesrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour un épisode pour Resident Evil. Resident Evil. Revelations. Alors sorti en 2013 sur les plateformes et était déjà sorti en 2011-2012 sur la fameuse Nintendo DS. Je me suis dit autant tester. Vous remarquerez donc que pour égayer ce jeu, autant s'habiller en trolli-lol. Trolli-lol, il est trop fort. Oh, j'adore ses oreilles de lapin. Oui, je sais. Shake that. Every bit of struggle. Bon, bref. Donc, alors, j'y ai joué une fois à ce jeu. Donc, on va se relancer à la tâche. J'y ai joué très vaguement. Je me rappelle plus trop comment c'était. Alors, c'est pour ça que premier temps, j'ai mis voilà dans les profondeurs. Donc, on va recommencer. Voilà, je vais vous montrer de toute façon les principales choses pour ce qui est de Resident Evil Revelation. Je vais pas vous montrer tous les combats, hein. Je pense que ça va un peu vous être gnangnan. Retournez-vous rapidement avec L plus A. Ok. Jour 42. BR 28. Boobs. Hey, Jill. Incroyable. Le Queen Zenobia. Qui flotte encore. Fais le tour, on va essayer de l'aborder. Moi aussi, j'aimerais bien t'aborder. Ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... ici, sur ce bateau. Si vous êtes blessé, utilisez des herbes pour rester en vie. Alors ça m'a toujours fait rire. Hein. Les herbes de Resident Evil. Mec, je suis mal. File-moi un peu de joint. Ah, c'est bon, je vais mieux. Putain, matez-moi ça. Matez-moi ce. Ah. Dommage, on pourra pas le voir. Oh. C'est par où? Ouais, c'est par là. Je peux peut-être la faire sauter. Ok. Ça, c'est comme ça. Ok. Ok, là j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Y'a quelqu'un? Oh putain, il m'a fait peur, enculé. C'est abandonné depuis longtemps. Putain, salopard, va. Dégage, tu m'as fait peur. Y'a quelqu'un? Oh, salut. Ça va? Ça sent la chair. Ça sent la chair pourrie. Ouais.
Peut-être moi. C'est bon, la blague de merde est passée, c'est bon. Oh! Je crois qu'on n'est pas seul. J'ai pas vu, qu'est-ce que... Il y a quelque chose... Oh! On dirait qu'il n'y a pas que de l'eau. On avance. Je déteste cet endroit. Du sang sort des conduits. Oh putain. Eh ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, je n'ai jamais vu une telle mutation. Pas de courant. On peut faire une croix sur l'ascenseur. Ok, ici si c'est mort. Ça ne marche pas. Y a quelqu'un? Hey oh. Moi je préviens, j'ai une arme. Je sais me défendre. Bon, ils vont arrêter avec leur bruit là. Ça suffit là. Les squatteurs, vous arrêtez, hein. Oh putain. Il n'y a que ça qui marche. Il y a encore. Il y a du courant Bah ici. ouais. Pour une bonne bière Irish. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est. Attends, je viens d'ici. Ah non, je viens dans l'autre sens. Je pensais en fait venir du même sens, mais non. Allez. Oh, quelque chose brille. Jill, jette un œil à ça. Parker, donne-moi un coup de main. Bien sûr, pas de problème. J'ai quelque chose. On dirait une arme. Et maintenant? Ah ouais, t'es bien gros, toi. Une seconde. Bon, bah salut, toi. Alors, c'est pas Chris? Dans les couilles. Dans les couilles.
fais pas peur. Enfin. Surveiller la quantité de munitions. Putain, je m'en rappelais plus de ça. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Tantôt. Privilege. Épisode 1, dans les profondeurs. C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipée des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelée sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendue sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005. Pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Ah ouais. Bon, un peu à la Raccoon City, quoi. Ah, vous voilà tous les deux. Bon, Brian, vous êtes bien loin de votre bureau? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre. Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Ok. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais je l'ai amené. J'espère que vous les évitez, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, ouais, je m'y colle. Utilisez cette attaque physique sur les ennemis affaiblis. Mais c'est avec quoi? Ok, Genesis. Non, donner un bleu. Ok. Il est possible de détecter cette analyse la plus infime. Ok. Fabrication de vaccins depuis. Ok. Ok.
surprise, ouais. Détection. Ok, merci. Bon. Ok, je m'en rappelais de ça, qu'il fallait scanner. Quelle est cette chose là? Ça ressemble vraiment à quelque chose de pas beau. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Ok. Allons-y. Ah. Pourquoi ça ne tique pas? Oh putain. De l'herbe. Oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ok. Oh, quelle infection. Ça a rompu avec les gaz. Un pistolet. Ça, je me rappelle. Ah. Bah, c'est bon. Un journal de l'année dernière. C'est l'article qui a révélé l'existence des armes biologiques au public. Ok. Ah. Oh, j'en analyse. Ah, c'est bon. Vous obtiendrez un objet de récupération censé si votre taux d'analyse atteint 100%. Ok. Je vais pas lui skitter après. J'ai assez d'échantillons. Je vais où? Bien, transférez-les-moi vite.
Rejoindre O'Brien. O'Brien, O'Brien. Oh. Bon. C'est bon. C'est la routine pour vous deux, pas vrai? Bon, c'est discuté. Amenez-moi ces échantillons. Ah bah tiens. Oh merde. Putain, fais chier. Vous voilà. Bon travail. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FPC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Bon, très bien. Je vous charge. On va voir ce que ça va donner. Il va falloir faire vite. Ça va être avec des enquêtes et tout là. Bien, allez-y. Vous restez sur cette affaire. Vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris. Quand? Avec mes oreilles qui clignent. Et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux là-bas. Oui, chef. Je ne le sens pas. Je le sens vraiment pas du tout. Ok. Ok, bon bah de toute façon ça va terminer notre épisode là. Rendez-vous à la prochaine pour un nouvel épisode pour Resident Evil. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, au revoir.